médecin de Québec maintenant qui a été arrêté pour des crimes sexuels. Valérie, il pratiquerait toujours en ce moment? Quand on regarde là, au niveau des registres, du registre du Collège des médecins, il pratiquait toujours à l'hôpital Saint-François d'Assise. Il faudra voir là, si avec cette arrestation, ça change la donne. Mais voilà, il s'agit de Sébastien Paquin, un homme de 40 ans qui fait face à plusieurs chefs d'accusation. Il aurait notamment proposé de l'argent à une personne de moins de 18 ans pour obtenir des services sexuels, aurait rendu accessible du matériel explicitement sexuel. Alors, comment s'en est-il pris? Eh bien, selon les informations de la police, il utilisait les médias sociaux pour entrer en contact avec ses présumées victimes, des événements qui seraient survenus là, dans les derniers mois dans les secteurs de Donnacona, Amboss et à Québec. Plusieurs victimes ont déjà d'ailleurs été identifiées par les autorités, mais l'enquête a démontré qu'il aurait fait d'autres victimes. Alors, on appelle à la population. Si vous avez de l'information, n'hésitez pas à communiquer directement avec les autorités. Autrement, il faut savoir, Audrey, là, que Sébastien Paquin avait quand même déjà un dossier important. En 2018, là, il a été radié un an pour avoir proposé des services sexuels à un patient après l'avoir consulté. Comment ça s'est déroulé? Là, la personne de 19 ans a consulté donc, le docteur. Et après cette consultation-là, Paquin est entré en contact avec lui par les médias sociaux, lui a proposé donc, des échanges sexuels et ça s'est terminé, cet échange-là. Et je cite là, par le patient qui a écrit « À mon avis, cette conversation n'est pas appropriée pour un médecin avec son patient. » Bref, il a été arrêté par les policiers, il l'a comparu. Donc, il doit quand même respecter là, plusieurs éléments dans cette liberté-là.